Bonjour chers amis, bonjour chers membres, chers abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop embêtés par les blocages. Bien sûr, on soutient les agriculteurs, évidemment, on soutient les grèves et les manifestations et le mécontentement général. Mais je sais que ceci peut aussi quand même poser des problèmes. J'ai entendu dire par exemple qu'en Belgique, il y avait des problèmes de réapprovisionnement d'essence et bien sûr au niveau aussi des transports, des livraisons et tout. Donc j'espère malgré tout ça que ça vous a pas posé trop de problèmes. Alors comme d'habitude, je suis en retard fin février. Franchement, c'est pas du mauvais vouloir, c'est que j'ai pas eu le temps quoi. Et que comme c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, tiens d'ailleurs regardez ce que je c'est incroyable quand même. J'étais en train de me dire oui, comme c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, il faut toujours que je sois dans des bonnes conditions pour vous faire les prévisions, sinon ça sort pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, sinon ça ne sort pas. Bon, sur janvier, je vous ai posté ça dans la communauté. Il y avait des événements, effectivement, qui sont bien sortis. Le départ de Madame B, Madame Borne, pour ne pas dire son nom. Le projet de Tati Gabi sur les enfants. Alors, c'était étonnant parce que il est plus du tout à l'éducation nationale. Mais ça aussi, c'était sorti. C'est la fameuse loi SCX pour les petits gamins, n'est-ce pas? Il faudra qu'on refasse un tirage sur le sujet, d'ailleurs. C'est à partir de septembre que cette foutue loi va se mettre en action. Et la troisième chose, bien sûr, la grogne concernant les agriculteurs. Alors, justement, j'étais en train de mélanger mon divin actu. Et voilà, c'est les cartes qui sont tombées. Mauvaise nouvelle. Alors ça, pour moi, c'est pas le troc. Pour moi, ça, c'est les agriculteurs qui éventuellement demandent quelque chose en échange. Vous voyez, on pourrait prendre la carte comme ça. Je te donne cela, tu me donnes cela. Bon, c'est les accords. Je pense que ça a été fait ou c'est en train de se faire. Ça, par contre, ça rejoint mon premier tirage. J'avais mis agriculteur, suite et fin, tout comme ça. Je vous avais dit, attention, il y a des intérêts personnels. Et il y a les sous-sous qui arrivent. Et voilà, quoi. Bon. Par contre, à mon avis, c'est pas complètement fini. Je pense qu'il pourrait revenir à la charge plus tard, quoi. Mais on verra. On va essayer de rester sur février. Voilà. Il y a un autre tirage que je vais vous faire qui est très très important. Et ça, vous le découvrirez. Je ne vais pas me spoiler moi-même. Alors, tiens, il y a un projet là. Ah, tiens. Tiens, quand on parle du loup. Ouais, bon, ok. D'accord, effectivement. Finalement, je me suis pas spoilé moi-même en faisant tomber les cartes. Bon, est-ce qu'on peut rester sur la France, s'il vous plaît? Allez, février. Je prends le design actu parce qu'il sort très bien, justement, pour l'actu. Voilà. Et on y va. Je ne vais pas trop vous faire attendre. Alors, février pour la France, s'il vous plaît, et pas pour le reste du monde. Les personnes matures, les BRICS. Oui, non, j'avais dit justement pas pour le reste du monde. Mais voyez, cette carte-là, je n'ai pas arrêté de la sortir l'année dernière. Et avec raison, puisque ces BRICS, ces fichus BRICS, ils vont prendre une ampleur dont vous n'avez pas idée. Et ça, ça a toujours été mon ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Anne et triste. D'accord. Alors, Anne, c'est refus et tristesse. Bon, alors, à mois de février, je vais tout tomber. Qui n'est pas très bof, qui n'est pas très, très souriant, j'ai l'impression. Alors, bon, on y va alors. Février, qu'est-ce qui sort? On va tirer les cartes comme ça, parce que je manque un peu de place. J'ai trop de cartes, en fait. Mais moi, j'aime bien innover un peu. Voilà, c'est pas toujours les mêmes. Bon, là, il y en a deux qui voulaient sortir, on va les prendre. Alors, février en France, s'il vous plaît, là-haut. On va faire 4, d'accord? Et puis, on va faire 4. Allez. J'espère que vous allez faire des crêpes quand même à la chandeleur. Faut en profiter tant qu'elle ne nous foutent pas des insectes dans la farine. Attendez, je crois que vous avez un reflet. Ouais. Voilà, j'ai été augmenter un peu la lumière parce que il me semble que la dernière fois c'était un peu sombre. Là, on ne voit plus rien, m'a dit. Ouais, d'accord. Attendez, je vais vous mettre l'autre lumière. Petit réglage. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Vous n'avez plus le reflet. Donc, voilà. Alors, on continue. Non, je voulais prendre l'autre table du coup. Ouais. Alors, février. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la France? J'avais sorti l'Iran aussi en janvier, me semble. Je crois qu'il y a des choses qui se passent par là aussi. Enfin, c'était pas sur la France, mais c'était au niveau international. Enfin, bref. Ça, à la rigueur, je regarderai plus tard. Alors, février, qu'est-ce qu'on a? Le communisme. Bon, d'accord. Ah! Bon. Ouais, il faut que je la retire du jeu. Attendez, parce que Divine Essence a mis aussi des cartes blanches.
Je ne sais pas si on peut lui donner une signification en étant simplement blanche, mais il faut que je rajoute des significations. Donc, bon. Tiens, si vous avez des idées d'ailleurs à ce sujet, vous pouvez toujours me les communiquer. Pour l'instant, j'avoue que j'y ai pas pensé. Alors, les médias, c'est quoi ça? Ah, l'Europe. Ah, les Digital Service Act. Ah oui, alors ça, c'est pas bon par contre. Ça, c'est la sursang. Hein. Et ça, fake news. Ah, bah, tiens, ça va bien ensemble. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Agression. Oh là. Alors, février, attention aux agressions. Bon. Alors, les deux ne sont pas forcément à mettre ensemble, hein, évidemment. Faut voir. Crash, accident. Ouais. Maltraitance. Oh non. Ah, ça, c'est les animaux. J'aime pas du tout cette carte. Mais alors, pas du tout. Pluie. Bon, alors, il va y avoir un problème d'eau. D'ailleurs, ça fait depuis. Oh là là. Depuis combien de temps que je vous préviens à propos de l'eau? Alors, pas à propos de la pluie, hein. Mais à propos de la pollution de l'eau, vous avez entendu le scandale des eaux minérales qui sont traitées comme de l'eau du robinet. Et finalement, l'eau que vous achetez, je ne sais pas si j'ai le droit de dire certaines marques, mais enfin, je crois, hein, Vittel, Contrex et je ne sais plus quoi. Il y en a encore une. C'est pas Evian. Ouais, là, je vous retrouve ça. En fait, il y a des graves problèmes dans cette eau que vous achetez en bouteille. Hein. Donc faites bien attention aux eaux minérales que vous achetez. Elles ne sont pas du tout, en fait. Pures, elles ne sont pas du tout naturelles et elles ne sont pas du tout bonnes pour la santé. Je vous ai dit attention à l'eau. Hein. Bon, alors ça, c'est pas l'eau enfin, du minéral, c'est la pluie, donc les inondations. Donc, je dirais que déjà sur février, on aura un problème certainement en relation avec bah, la pluie, donc les inondations certainement. Ok. Oh, j'aime pas cette carte-là. J'ai envie de l'enlever, je vous dis. Hein. Franchement, j'aime pas. Mais bon, la maltraitance animale, de toute façon, elle est partout, quoi. Est-ce que c'est nécessaire de la prendre sur février, hein? Franchement, je la retourne. Hein? Franchement, elle me fait mal. Donc, je ne peux pas. Voilà. Je vous le dis franchement, je ne peux pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les médias, le crash. Ça vaut le coup de recourir quand même un petit peu là. Hein? Parce qu'on a un crash. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un crash d'avion? Ouais, pourquoi pas. Ou en tout cas un accident. On va regarder. Agression, ben, malheureusement. Hein? Certainement. Donc faites bien attention à vous, hein, si vous êtes seul, si vous êtes bah, surtout une femme, hein, mais enfin bon, maintenant, les hommes aussi sont agressés, mais prenez avec vous un petit, comment dire, ARME, quoi, voilà, de défense, hein, je vous assure, on en est là. Bon, pourquoi on a le communisme, hein, c'est peut-être la Chine tout simplement, hein. Les médias, alors le Digital Service Act, ils vont évidemment durcir tout justement ce qui est considéré comme fake news, à moins qu'on en ait une vraie fake news, je ne sais pas. Et on va regarder ici. Du coup, j'ai pris que le même paquet. Ah, je suis pas très concentrée quand même. Hein. Enfin bon, parfois c'est pas grave. Hein. Parfois, il n'est pas nécessaire de se concentrer. Bon, alors pause vacances, la Chine ou le communisme, ok. Ça me dit rien pour l'instant. Hein. Les médias et l'espionnage. Oui, propagande et espionnage, se cacher des médias ou les médias qui nous espionnent. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça irait bien d'ailleurs avec le Digital Service Act. Bon, les pays nordiques, on l'enlève. Hein. On est sur la France là, si vous voulez bien. Oui, bah oui, il y a tellement de cartes que j'ai pas toutes retirées celles qui n'avaient rien à voir. Et ça, c'est SMS. Bon, bon d'accord. Ça correspond par contre. Donc, la sursang qui va s'accentuer très certainement, puisqu'on a ceci. Et les médias. Alors, fake news, on va regarder ce qu'on a. Crise inflation. Ah, bah tiens. Bon, alors, on va nous cacher très certainement comment dire, la gravité, ouais. La gravité de la crise. Hein. Fake news, crise, à mon avis, on va pas nous dire à quel point c'est grave. Moi, je vous le dis. Puisque ça ressortait dans mon horoscope 2024, qui pour l'instant bah, correspond vraiment à la réalité. Donc, les médias qui vont certainement encore agir avec les histoires de sursang. Il faudra quand même regarder un petit peu ce qui nous cache, s'ils nous cachent quelque chose, ou si c'est simplement le fait qu'ils vont durcir l'accès à l'information. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses d'information, j'ai fake news. Et ici, j'ai le Digital Service Act et ici, j'ai les médias propagande. Il y a quelque chose au niveau de la communication hein, sur le mois de février. Bon. Alors là, j'en ai aucune idée de ce que c'est sur la Chine, enfin, communisme. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi c'est sorti. Regardez. On continue.
Il y a quand même quelque chose. Hein. Regardez, j'ai communisme et dirigeant Asie. Alors, évidemment, ça peut être aussi King Kong. Hein. Enfin, moi, je l'appelle King Kong. Hein. C'est de qui il s'agit. En Corée du Nord. Il faut se méfier de ce gars-là. Hein. Franchement. Hein. Parce qu'il est beaucoup dans la provocation depuis déjà, on va dire, quelques temps. Mais j'aime pas du tout. Enfin, je pense que vous non plus. Mais il est dangereux, quoi. Il est dangereux. Alors, pourquoi pause vacances? Je ne sais pas. En tout cas, là, c'est sorti. Alors, peut-être qu'effectivement, ça va ensemble, agression. Hein. Je ne crois pas quand même qu'il va faire des agressions sur les autres pays, mais agressif, il l'est. Bon. Donc, pour agression, on mettra une autre carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Crash, accident. Ah oui. Les choses de mœurs. Bon, alors, un crash ou un accident par rapport à des choses de mœurs. Donc, je pense qu'il va y avoir encore des histoires de scandales. Voilà. Très certainement, peut-être que d'ailleurs ça va avec agression. Hein. Agression, c'est soit agression, on va encore avoir un fait divers grave, soit effectivement agression SCX qui provoque comme un crash, hein, d'une façon ou d'une autre, bon, quelque chose d'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, non, j'avais retourné, pardon. Non, je la veux pas celle-là, la maltraitance animale, me demandez pas, je ne veux pas. Fatigue, sommeil et pluie. Bon, bah, regardez ce que c'est. Donc, il y a des inondations sur février. Fatigue, sommeil. Regardez pourquoi on a ça. Ah bah, vous voyez, les agriculteurs, fatigue, sommeil. Bon, je pense que l'action va certainement se ralentir. Hein, la fatigue, plus que le sommeil. Hein. La fatigue, certainement au niveau de l'action des agriculteurs. Vous voyez, c'est sorti. Alors, donc en fait, on a des choses. Ici, scandale, je pense. Fait inattendu. Ou alors, agression SCX qui va marquer les esprits. Il y a quelque chose sur février. Là, sur 100, les fausses informations au niveau de la crise ou de l'inflation, on va nous dire Bruno Lumière ou Bruno Lunaire. Ou Bruno le clown va certainement nous dire que tout va bien. Qui vont, je ne sais pas, donner une aide pour l'inflation. Ou alors qu'ils vont faire en sorte que l'inflation n'augmente pas. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, ce sera fou. Des inondations et voilà. Et quelque chose qui s'arrête au niveau des agriculteurs. Bon, on va demander à Clubéline si on a autre chose. Et puis, on essaiera d'aller plus dans le détail avec mes autres jeux. Ok. Alors, sur février... La famille, stérilité. Bon, ça bouge pas beaucoup au niveau des familles. La famille, la pauvreté. Hein. Ouais, certainement. Je pense qu'il peut y avoir des textes, des lois pour l'aide aux familles, mais que ça change rien, quoi. Ça, c'est bien possible. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de février? Qu'est-ce qui est important? On nous parle plus de la guerre, hein, vous avez remarqué. Sauf qu'on a 40 milliards qui vont partir vers l'Ukraine. C'est... je sais plus quoi dire, moi. Il faudrait faire le décompte de toute l'aide qui a été apportée depuis février donc 2022, depuis le début de la guerre hein, en Ukraine. Il faudrait regarder le nombre de milliards qu'ils ont envoyés pour notre chère Zélie. Ça franchement, là, je trouve le chiffre, tiens. Alors, on donne quelque chose, bonheur, stérilité, sagesse. Ça me fait penser quand même aux députés ou des choses comme ça. Ah ouais, les députés qui sont augmentés. Bah oui, tant qu'à faire. Pourquoi pas, hein? Ils travaillent tellement dur. Je ne parle même pas des sénateurs qui vont à la buvette du Sénat à 4h de l'après-midi pour se prendre pour se prendre un petit verre. Voilà. Ah, je vous assure, c'est véridique. Hein, je l'avais lu, ça. Bon, alors, des pourparlers, pardon, des pourparlers par rapport à des choses que l'on veut donner. Peut-être des aides sociales. Hein. Ouais, mais ça, j'explique. Ça ne sert à rien, quoi. Encore de l'argent gaspillé sur février. C'est le gouv, hein. C'est le gouv. Pour faire plaisir, je pense. Donc, pour par rapport à quoi le départ? Je me demande si ça va pas être justement les agriculteurs, ça, voyez. Après moult discussions, on décide finalement de donner de l'argent pour faire plaisir, finalement, et pour faire en sorte que le mouvement des agriculteurs s'arrête. Ça peut être ça, hein. Ouais, c'est bien des gens qui sont en situation de demande. Et qui sont aussi dans les restrictions. Oui, ben ça, à mon avis, c'est ça. Je vous l'avais dit dans le premier tirage, il va y avoir des aides qui vont être données pour faire retourner les agriculteurs à la maison. Ce qui est dommage, parce que si eux, ils laissent... Enfin, s'ils abandonnent, quoi, s'ils laissent tomber, j'allais dire, ben, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que...
Bah, c'est-à-dire que les aides n'auront qu'un temps et qu'ils seront voués à disparaître. Hein. Malheureusement. Hein. Vous savez bien que c'est l'Europe qui est derrière tout ça et qu'ils ont déjà tout prévu. Bon, bah, pour février, moi, j'ai pas grand-chose. Hein. Bon, on va quand même demander... tiens, on va demander aux cartes postales. Je les aime bien. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose d'important en février? Mais bon, en astrologie, moi, je vois quand même autre chose sur le printemps. Hein. Donc, à mon avis, ça va revenir, hein, les manifestations, grèves, etc. Hein. Ça va revenir, hein, pour une raison qui, je pense, devrait être financière. Il y a quelque chose par rapport aux sous. Mais c'est pas fini. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sur février? Oups, pardon. Alors là, on a quelque chose de plus calme. Ouais, on a quand même une accalmie. Hein. Bon, donc l'harmonie qui revient, en tout cas, quelque chose de plus calme. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mois de février en France? Quelque chose d'important. Je prendrai le DCK après, je trouve qu'il sort bien. Alors, les amis, d'accord. Donc, éventuellement, des gens qui se rassemblent, qui se ressemblent. Ça, c'est le... Comment est-ce qu'on appelle ça, déjà? C'est pas le windsurf. Hein. Le windsurf, c'est pas ça. Mais si vous voyez, c'est quelque chose qui permet de s'envoler. Voilà. Grâce au vent. C'est pas de deltaplane non plus. Mais enfin, vous voyez, hein, c'est un peu ça, quoi. Bon. Bref. C'est quelque chose qui permet de s'envoler. Voilà. OK. Donc, un envol. Mais un aveuglement. Ouais, ben, bof. Hein. Moi, je pense que ça peut être tous les mouvements, justement... qui risque de s'arrêter, hein. Parce que on ne voit pas bien les choses. On va regarder quand même ce qu'on peut nous dire d'autre. Là, on est au-dessus des nuages. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on voit rien, quoi. Si on est au-dessus des nuages, hein. On croit qu'on est au-dessus des problèmes, et puis finalement, on est aveuglé, hein. Ouais. Vous voyez, la carte, elle est à double signification, hein. On voit pas ce qui se passe en dessous, quoi. Vous voyez? Aïe, 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 aïe. Ouais. Là, je vous dis, hein, moi, je pense que c'est les agriculteurs. Hein. Il y en a certains qui, voilà, qui vont repartir chez eux, hein, d'où la histoire de prendre son envol et de... Vous voyez? Il y a quand même la notion de départ, là. Hein. Alors, peut-être avec un certain soulagement, quand même, puisqu'il y a la notion de légèreté. Hein, on vole grâce au vent. Mais, à mon avis, il y a une duperie, là. Il y a une duperie qui n'a pas été vue. Mais il y en a certains qui vont comprendre, qui sont fait avoir. Hein. Regardez. J'ai peur de gens, moi, qui, voilà, qui soient au bord de ce que vous voyez sur la carte. Hein. Parce qu'il y en a qui vont voir qu'ils ont été dupés. Il y a des histoires de duperie, hein, sur février. Je pense qu'on parle toujours des agriculteurs. Ah ben voilà, regardez. Les agriculteurs, hein, la nourriture. Bon. Donc, il y a bien de ça... Hein. Ouais. Et voyez, regardez la trahison. Bon, donc février, je confirme ce qui est sorti dans le Divine Actu, c'est qu'il va effectivement y avoir arrêt du mouvement agricole, hein. En tout cas pour la majorité, il y en a presque les jeux, le jeu me dit, et trahison. Le chat noir, c'est trahison. J'ai rien contre les chats noirs, ceci dit, évidemment. Mais là, dans le jeu, évidemment, c'est... C'est bien l'histoire de trahison, aussi bien concernant la nourriture. Et vous voyez, c'était bien quelque chose, un mouvement fait ensemble. Voilà, on rame. C'est l'histoire de... Vous savez, quand on est à bord d'un... comment on appelle ça déjà? Les bateaux, là, vous voyez. Quand on travaille ensemble, quand on rame ensemble. Donc, c'est bien le mouvement, hein, entre les personnes qui défendent une même cause, mais qui vont se faire avoir. C'est ça qui sort sur février. Hein. Bon. On va demander si c'est autre chose. Donc, je vais sortir ces cartes-là. Je ne vais pas les reprendre. Est-ce qu'on a autre chose sur février? On a eu quand même agression. Donc, on va regarder ça un petit peu ce que c'est. Si ça ressort, hein, on va voir. Alors, quelque chose d'instable. Ouais. Toujours les questions de solidarité quand même. Hein. Ah là là. Ouais, c'est quand même ça. Hein. Le février nous parle vraiment d'un mouvement pour protéger la nature d'ailleurs ici. Mais très instable. Et vous voyez, on est découragé par rapport à la difficulté. Vous voyez, le petit garçon, il baisse la tête. C'est trop difficile. Il y a un mouvement qui va s'épuiser, là. Vous voyez, ils n'arriveront pas à tenir dans le temps. Hein. Ben, ils ont quand même des exploitations à faire vivre. Hein. À faire tourner, pardon.
Alors, dans les questions d'eau, on a des questions d'eau. Alors, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, voyez, regardez. On a toujours les gens là qui sont ensemble, qui marchent ensemble. Ça va vraiment être ça sur février. Alors, mouvement qui fonctionne au départ, mais on se pose des questions. Vous voyez, ça, on tourne un petit peu en rond. Hein. Voilà. Le petit pion, il est tout seul face à la puissance des gouves. Le petit pion, il est tout seul. Ils sont tout seuls. Donc, à mon avis, ça va quand même y avoir de la violence. Apparemment, je ressors quand même de la violence sur février. Hein, parce que il y en a certains, à mon avis. Hein, bon, ce que je dis, n'engage que moi, mais je pense qu'il y a une partie des agriculteurs qui vont retourner chez eux, qui vont se faire, en fait, duper. Et il y a une partie, on l'avait vu tout à l'heure, qui va se retrouver au bord de la falaise, qui vont comprendre que ce qu'ils ont obtenu, ben, c'est que du court terme, ou c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, ou enfin bref, où il y a une tromperie. Et eux, par contre, là, il y a quelque chose sur février. Hein. Ça risque de dégénérer quand même, un petit peu en partie. Voilà, regardez, vous avez la colère. Donc, il y a deux séparations qui se fait dans le mouvement des agriculteurs. Pas que les agriculteurs pardon, d'ailleurs. Certainement d'autres mouvements aussi. Mais il y en a qui vont rentrer avec le sentiment d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient, mais finalement, c'est une duperie. Et il y en a qui vont continuer, qui vont exprimer leur colère parce qu'ils vont comprendre que, en fait, tout ça, justement, c'est du pipeau. Bon, bah, c'est ça qui sort sur février. Je n'ai pas les histoires d'agression. On verra bien, je préférerais qu'il n'y en ait pas, moi, mais enfin bon. Méfions-nous, on va demander maintenant à mon petit allusion de l'univers. Tiens, ça me fait penser que, vous savez, vous avez fait, choisissez votre tas, vous voyez, vous rappelez, c'était avec les trois chats. Eh ben, en fait, il y a un des trois que j'avais aussi choisi et qui est arrivé, voilà. Donc, ça a marché pour moi, en tout cas. Donc, dites-moi aussi si il y a eu confirmation de ce que je vous avais fait comme petite voyance, hein, petite voyance sympa entre nous, je pense, où vous choisissez un tas et finalement, ça vous donne un petit peu ce qui peut arriver dans les jours prochains. En tout cas, moi, c'est arrivé. Bon, je ne m'attendais pas du tout. Donc, vous me tiendrez au courant quand même. J'aimerais bien avoir des retours. Hein. Je vous referai encore ça d'ici à la fin de la semaine, hein, d'accord? Oui, alors, sur février, qu'est-ce qu'on a? Voyez, regardez, un accord qu'on est obligé de signer. Ouais, il y a un truc. Hein. Et qui va être communiqué sur les réseaux. Donc, il y a bien un accord qui va être signé. Et je pense vraiment que ça concerne les mouvements, on va dire, agricoles, mais pas que, hein, les autres aussi, qui revendiquent. Mais il y a de la contrainte. Donc, les histoires d'accord. Alors, sur février, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, non, mais je vous assure, c'est pas évident. C'est Bruxelles, en fait. C'est vraiment Bruxelles. C'est eux. Tant qu'on sera pas sorti de ça, on pourra pas vraiment changer les choses. Hein. Alors, quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre à sortir de l'eau. Les histoires de temps. Et là, une certaine joie. Bon. Une certaine joie. Belle, cette carte-là. Hein, j'en veux qu'une, moi. Attendez, hop. Alors, une aide qui est apportée. Le calendrier. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a l'étranger. Une aide apportée en relation avec l'étranger. Bon, ok. Là, une souffrance. Une souffrance. Oui. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai le calendrier. Quelque chose qui dure dans le temps, peut-être. Ah, c'est amusant, ça. Enfin, c'est amusant. Oui, enfin, c'est curieux, quoi. Bon, ça, c'est l'histoire de scandale, quoi. Ça, c'est trop, ça, c'est curieux. On l'avait tout à l'heure hein, avec le Divine Actu. Je vous ai dit, il va y avoir un truc de SEX, de mœurs. Il y a quelque chose, là. Ouais, il y a quelque chose. Un scandale de mœurs, hein, on le voit bien ici. Bon. Qui va choquer. Bon, ok. On va remettre encore une carte. Une aide apportée à l'étranger, des gens qui souffrent. Souvent, plutôt des femmes d'ailleurs. Alors là, on a les histoires. On a bien l'histoire de soutien, hein, c'est pas forcément par rapport aux enfants. On a bien une aide apportée en relation avec l'étranger. Je sais pas ce que c'est. Là, on a... Je me demande, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un texte de loi ou concernant les femmes, pour soutenir les femmes d'une façon ou d'une autre? Parce que là, je vois quand même pas mal de, voyez, de bouquins.
Il y a quelque chose concernant les femmes en souffrance, là. Avec une date. Bon, une loi, peut-être. Ouais, un truc comme ça. Et là... Là, il y a un scandale et il y a les questions de soutien. Oui, bon, c'est un peu curieux. Il y a les femmes. Hein. Donc, on va parler des femmes hein, sur février. Avec des scandales de mœurs. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors... On va peut-être demander un petit peu, tiens, on va demander au DCK ce qu'il peut nous dire sur les... Voilà, il est là mon DCK. Sur les premiers tas, enfin les trois tas, quoi, plutôt. Une aide en relation avec l'étranger. Alors, évidemment, ça peut être lucre, hein, évidemment. Hein, parce qu'on a bien un soutien. Les 40 milliards, vous voyez, que vous allez payer, que nous allons payer. Je suis dedans aussi, hein, partie de l'UE quand même. Donc, bon, là, il y a un mensonge. Il y a un mensonge sur février. Hein, ouais. On veut toucher les cœurs, c'est-à-dire on veut séduire la population par un mensonge. Bon, Pinocchio, vous savez qui c'est. Alors, reprenons. Qu'est-ce que c'est que cette aide? Qu'est-ce qu'on a ici et ici? Un renouveau. Ouais, bah, à mon avis, c'est lucre, hein. Avec le feu, ouais, c'est pour soutenir l'effort de guerre, ça, hein. Et pour apporter un renouveau, vous avez quand même des flammes. Bon, bah, une aide apportée à l'étranger, à mon avis, c'est l'Ukraine. Bon, ils continuent leur, leur C-O-N-N-E-R-I-S, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un emprisonnement, on a quelque chose par rapport à des femmes qui sont ligotées, emprisonnées, dans une situation difficile. Bon, ok, donc il va y avoir des lois en relation avec les femmes. Bon, et là, on a... Ah, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui va parler en relation avec un scandale. Il y a quelque chose de bizarre, là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le question de temps, ça, ok, et là, c'est quoi d'autre? Et des conflits. Bon, c'est un peu bizarre. Hein. En tout cas, j'ai des choses concernant l'aide, une aide à l'étranger. Il y a des chances que ce soit l'Ukraine, hein, mais c'est peut-être aussi un autre pays. Mais je pense qu'il y a des histoires de guerre. Donc, on apporte une aide au niveau de la guerre. Ça se trouve, c'est Israël, hein, j'en sais rien. Ici, on a des choses pour aider des femmes en situation de difficulté. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et là, on a... Quelqu'un qui va provoquer une dispute en relation avec un scandale de mœurs. Bon, voilà pour février. Hein. Que vous dire d'autre? On va demander un petit peu du côté de l'international, peut-être. Savoir si on a d'autres choses. Je vous ferai une vidéo spéciale pour les membres. Une vidéo qui, à mon avis... peut vous intéresser, je vous dirai ça plus tard, je vais faire ça ce week-end. Alors, tiens, on va demander à celui-là. Alors, vous me demandez comment il s'appelle ce jeu, bah, il s'appelle pas, voilà, parce qu'il n'y a pas de nom. Ce sont des cartes métaphoriques, associatives et métaphoriques, puisque moi, j'aime beaucoup regarder les dessins et laisser libre cours à mon intuition. Mais ce jeu-là n'a pas de nom, voilà, donc je ne peux pas vous en donner un. Mais bon, vous trouvez tout ça sur Etsy, hein, si ça vous intéresse. Alors, sur février, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, sur l'international, j'avais dit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On regarde des pigeons. Bah, les pigeons, c'est nous, hein. On regarde les pigeons, bon, qui sont en train de se faire avoir par rapport aux guerres, certainement à l'étranger. Voilà, le jour, la nuit, bon, okay, ça suit son cours, quoi. Bon, je pense que les pigeons, c'est ceux qui payent, quoi, hein. Les pigeons qui payent. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre sur février? Sur l'international, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Du violon, une clownerie. Et ah, y a quand même des inondations qui ressortent sur février. Vous avez remarqué, hein, ça fait deux fois hein, que j'ai sorti de pluie. Hein, ouais. Donc là, ou alors des histoires d'eau. Mais il y a des histoires en relation avec beaucoup d'eau. Il y a de l'eau. Des histoires de... Ouais. De pluie, d'inondation ou d'eau. Là, on a une clownerie. D'accord. On va demander un petit peu ce que c'est.
C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Attendez, il faut que je mette ma loupe. Je n'arrive pas à voir sur la carte. Je vous dirai après. Alors, en fait, c'est un temple chinois sur la carte. Des gens qui se rendent dans un temple chinois. Donc, il y a des histoires en relation avec la Chine là-dedans. Et ouais, il y a l'étranger. C'est marrant, la Chine, elle ressort. On l'avait dans le Divine Actu. On a des histoires de plusieurs générations ici. Ouais, il va falloir regarder du côté de la Chine hein, en février. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Regardez au niveau des pays effectivement asiatiques et notamment au niveau de la nourriture. D'accord? Ouais, au niveau de la nourriture. Alors, peut-être qu'ils nous préparent effectivement quelque chose venant de Chine. Je ne sais pas. Mais il y a des choses vraiment, vraiment. Ils sont en train de nous jouer les violons, là. Ils sont en train de nous préparer une propa, qui est une clownerie. Donc, c'est encore la duperie pour moi. Hein. C'est du n'importe quoi, quoi. En provenance avec la Chine, oui. Et c'est inscrit dans le temps. Hein. Bon. Ok. On va regarder l'histoire de pluie. Alors là, on fait une couverture. Oui. Je dirais bien, moi, se mettre à l'abri, hein, se protéger. Bon, ça, je l'avais tout à l'heure. C'est les histoires de... Ah non, je n'avais pas tout à l'heure, ça c'est autre chose. Le temps, d'accord. Le temps, le sable, le temps. Le temps, les gens qui partent. Bon, alors attention, il peut y avoir effectivement un problème en relation avec des inondations qui conduiraient les gens finalement ben, à partir, quoi. Oui, c'est bien possible. Après, on a les enfants. Ah, alors là, je sors autre chose. Hein. Une séduction. Une jeune fille, une séduction. On va avoir un scandale, à mon avis, SCX, comme tout à l'heure, hein, avec des jeunes femmes, jeunes filles. Il y a quelque chose. Hein, et ça va créer des remous dans la population, apparemment. Oui, il y a quelque chose. Ouais. Scandale de mœurs, encore, je pense. Ouais. Hein, est-ce que c'est dans le milieu artistique? Peut-être. Bon. En tout cas, en compagnie, quoi. Ok. Bon, pour l'international, je ne peux rien vous dire d'autre. Hein. Ça suit son cours, à mon avis, il va falloir attendre le printemps pour que les choses bougent beaucoup plus. Hein. Bon, voilà. Donc, petit mois de février, mais le plus important, c'est qu'à mon avis, le mouvement de protestation va se calmer en partie. Hein, en partie, il y a une partie donc, qui va revenir à la maison, quoi, qui va rentrer chez elle, et l'autre partie où là, moi j'avais le feu quand même. Hein, vous avez vu tout à l'heure avec les cartes postales. Donc, il peut y avoir des débordements. Hein, parce qu'il y a une partie qui va comprendre qu'elle a été flouée. C'est terrible ce qui se passe. Hein, je crois qu'on n'imagine pas. On ne comprend pas comment notre vie va changer. D'ailleurs, on va demander. Hein.